this, like that, like this, like that, like this, this, like that. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean, et puis on se retrouve pour un nouvel épisode des trucs par chronotique, j'allais dire non, de Planet Coaster. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu, alors vraiment légèrement, on va pas se mentir. Lost Gravity, enfin la thème de Lost Gravity, j'ai mis un petit toit ici, j'ai commencé à faire des petits containers, j'ai mis une barrière là pour que ça fasse plus joli. J'ai surtout modifié la grande structure qu'on avait commencé à faire. Donc maintenant elle est vraiment bien plus jolie, je trouve, enfin bien plus intégrée dans ce thème. J'ai eu un doute sur ce que je venais de dire. Donc pour moi, enfin pour vous, la mise à jour sera dans une semaine, très exactement, ou non. Peut-être le jour de sa diffusion sera sorti. Ouais non, le jour de sa diffusion, donc le jour de la diffusion de cet épisode, c'est la sortie de la mise à jour. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas trop avancé sur le thème de Lost Gravity, parce que je sais qu'il va y avoir quelques petits ajouts, notamment au niveau des barrières, qui vont être assez intéressantes pour faire la file d'attente ici. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai pas trop avancé sur la thème, parce que je sais qu'il y aura quelques petites nouveautés intéressantes au niveau de la thème. Voilà. Ensuite, alors, grosse nouveauté, j'ai acheté l'addon Spooky Update. Spooky Pack. Bah déjà, je pense que vous aurez pu le voir. Enfin, tout du moins le constater. J'ai modifié Mousse au chocolat. J'ai pris des wagons type Hotsman. Voilà, donc ce que vous avez dans les maisons hantées. Et là, vous allez voir vraiment le wagon démarrer. Voilà, et maintenant il peut tourner donc sur lui-même. Il peut aussi se basculer en avant, en arrière. Et se basculer aussi sur les côtés. Donc voilà, et tout ça on peut régler. Lorsqu'on est dans le modifier le tracé, vous avez un petit onglet où est-ce que vous pouvez modifier l'inclinaison des wagonnets. C'est ma foi assez sympathique, et malheureusement, oui et non, énormément de gens se rendent à cette attraction, elle est souvent pleine. C'est assez mal géré ça par contre au niveau de l'affluence, c'est même complètement irréaliste. Contrairement à avant, parce que l'attente était assez raisonnable, et en plus ça n'a pas un débit exceptionnel, donc du coup les gens, ils rentrent quand même. Je sais que la première fois que j'ai ouvert, j'avais eu 37 minutes, et pourtant j'avais fermé la file Fastlane. C'est pour vous dire. Ici c'est pas encore le même topo, parce que bon, c'est un coaster, c'est pas encore un Dark Ride, enfin c'est pas encore un autre type de truc. Alors je sais que déjà ça c'est un débit pourri à la base, tandis que là vraiment, là il est au... J'ai optimisé le débit à fond, hein. je peux pas faire mieux. Ouais, donc ça c'était pour le petit topo. Voilà, donc j'ai acheté l'addon Spooky Update. J'ai aussi acheté le petit addon Retour vers le futur. Voilà, j'ai pas acheté les deux autres parce que je ne connaissais absolument pas les deux autres licences. Alors attendez. Thème. Non, c'est dans. Pack de contenu, voilà. Ah, donc, Retour vers le futur, vous savez, ces trucs là qui est... C'est souvent des références au film, bien évidemment. Voilà, c'est quand la DeLorean elle part pour d'autres horizons, j'ai envie de dire. Mais donc les ajouts principaux se font sur la donne effrayant. Enfin, c'est un peu effrayant, mais. Donc c'est beaucoup des bibliothèques, machin. On va exploiter justement cet add-on dans la prochaine attraction qu'on va faire. On va le faire tout de suite, hein. On va pas attendre. On va pas faire un Dark Ride, non. On va faire encore une réplique, oula. Mais on va pas faire une réplique. On va pas faire un nouveau coaster. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris, on va faire un Flat Ride. Et ce Flat Ride, c'est ni plus ni moins. Donc là, bref. Je vais pas non plus tout faire l'inventaire de ce qui... Ah, par contre, on a une nouvelle poubelle. Ah, c'est sympa, ça. Et en plus, ça ressemble vraiment à des poubelles assez classiques. C'est pas forcément des poubelles effrayantes. Ah ouais, je vais même pouvoir remplacer par ces poubelles-là. C'est plus joli. Allez, du loin, il y a des petits fantômes. Ouais, donc des petits ajouts vraiment intéressants. Mais ça vaut vraiment pas les 10€, hein, très clairement. Voilà quoi, je l'ai acheté honnêtement pour la thème, parce que j'en avais absolument besoin pour faire l'attraction qui va suivre. Mais après, à part les Dark Ride, c'est
vraiment trop léger, hein, c'est... Bref. Donc on va construire une réplique de Mystery Castle. Voilà. Comme ça vous le savez. Malheureusement, le jeu n'inclut pas les bunch drops, ni les... Oui, les bunch drops et les enfin les tours de chute SS ou je ne sais trop quoi encore, même si c'est de l'intamine. Voilà, bref. Même si c'est de l'intamine, ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ouais, donc ça n'inclut pas les bunch drops, c'est dommage. Du coup, on va devoir bricoler ça avec une free fall intamine. Ce qui est assez relou, je vous avoue. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une extension à la zone Klugheim. Enfin, une extension. Oui, enfin, ça fait partie de la zone Mystery, mais... On reste dans dans la théma Klugheim. C'est depuis longtemps, en plus, que... Qu'on n'a pas une nouvelle... Enfin, qu'on n'a pas... Que j'ai pas beaucoup... Enfin, ça fait depuis longtemps que j'ai pas travaillé sur Klugheim. Donc ça va faire du bien d'avoir une extension. Ouais, déjà de toute façon, l'accès aux toilettes, il dégage. Bim, bim, bim. Donc si on va faire un accès... Donc si on va faire un petit pont. Donc là, faudra que la bunch drop tombe pile. Enfin, pile. Non, pas pile. Il va falloir s'arranger pour que l'attraction tombe pile. Pas loin du pont. Donc la prochaine fois, je ferai une présentation, bien évidemment, de la nouvelle update. Ça va être sympa. Enfin, je l'espère, même si le contenu me paraît légèrement léger pour au niveau du ratio attente. On a une trop longue attente pour si peu de choses. C'est dommage. Enfin, je me plains, mais c'est déjà pas mal. Ah, nickel. Là, parce qu'il va falloir faire tout le bâtiment qui entoure l'attraction. Et ici, ça va être un pont-levis, hein, si vous voulez savoir. Donc, c'est vraiment une réplique claire et nette, hein. Pas de surprise. Par contre, comme ça n'a pas de débit extraordinaire par rapport à la vraie bunch drop, on va devoir bricoler une file d'attente beaucoup plus longue. Et c'est ça vraiment, on va vraiment bien thématiser cette file d'attente. Enfin, on a intérêt à bien la thématiser. Bon, donc ça fait partie du quartier Klugheim. On est obligé en même temps. Parce que je vois pas où est-ce que je l'aurais mis ailleurs. Bah, par contre, on a ce foutu. Je sais pas si on peut. Pourquoi il veut pas se barrer? T'es bien gentil, toi. On peut pas enlever la collision des flat rides? C'est vraiment relou. Attends, j'avais tout bien fait. C'était propre. Enfin, jusqu'à ce que j'enlève toute cette connerie. Ah, on va être obligé de recommencer. Ce qu'on venait de faire. Bon, c'est pas grave. Construction, c'est peut-être pas.
Donc je pense qu'on va prolonger la partie d'affilée d'attente dans Clue Crime, c'est-à-dire que là je vais pas faire un accès direct, je pense que je vais faire un petit détour ici, clac, on va faire une file d'attente dans Clue Crime. Je pense essayer de rajouter un coaster style family, bon pas exactement la même chose que Rike, mais ce serait bien de rajouter un family comme ça entremêlé dans la zone. J'appellerai sans doute Rike, hein, on va pas se le mentir, mais j'ai pas prévu pour faire une réplique de Rike, hein. Enfin, c'est pas possible. What? Ah ouais, non, d'accord. C'était pas le bon aller. Tout ce bordel pour essayer de faire une allée. Ouais, donc pour une fois on n'aura pas un coaster, on aura un flat ride. Ah oui, par contre la file express alors soit on l'intègre. Ah ouais, ça va poser problème ça par contre. On va essayer de bricoler un autre truc. Voilà. On va peut-être pas voilà faire ça. On va peut-être faire deux fils distincts. Dans un premier temps, on fait ça et on part sur le côté. Je sais pas si on. Ah, c'est tout moche comme. Ah, c'est les nouvelles files d'attente, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est pas joli. On va faire comme ça plutôt. On va le faire partir par ici. Bon, bien évidemment, ce sera complètement intégré à la zone. On y verra que du feu, j'ai envie de dire. Ouais, c'était pas très bon. Vous voyez ici, il y a le bois qui prend dans la file. On va essayer de régler ça. Ouais, ça va pas ça. Je suis assez pointilleux, hein, vous le savez. Le sens du détail, même si j'aime pas Disney. Ah, c'est pas génial, hein. C'est pas génial, génial. Bon, la file d'attente, vous savez quoi, de toute façon. Elle va partir par là. Elle risque de partir un petit peu du côté de Taron. Ici, il y aura sans doute le coaster. Vraiment très compact, hein, le coaster, il sera. Il sera pas non plus hyper gros. On va faire ici un truc parallèle. Voilà, c'est histoire de caser la file express. Je dis ça, mais il faut la caser en fait. Est-ce qu'on pourra la caser? Parce que là, ce sera pas possible. Il va falloir absolument la caser là. Ouais, c'est tout un micmac ce truc là. C'est assez ouf. Du coup, de toute façon. Ah, parce que j'ai pas envie de continuer comme ça.
sur cette lancée à faire que ça dans tout le reste de l'épisode. Donc on va faire entrée, tac, sortie. La file express, en fait, je vais la faire passer parallèlement sur le pont à la file normale. Et à un moment, justement, à gauche, ça va partir en express et à droite, ça va partir en file normale. Comment ça se fait ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai. Ah, par contre, il y a le mécano qui panique. Vas-y, tu peux remarcher. Et donc la sortie fera le tour ici. J'essaierai de faire des petits jardins sympathiques et essayer de refaire un passage dans Crime. Bon, après, bien évidemment, je relirai le tout. Faut vraiment que je fasse ce petit kiddie là. Mais le problème, c'est que le jeu ne propose pas énormément de kiddies. Et un kiddie thématisé sur Kukarim, bah, il n'y en a pas en fait. Voilà, il y a ça, mais ça ressemble. Enfin, ça peut pas s'intégrer dans Kukarim. Je vais peut-être faire un petit spinning, mais ça a pas un débit ouf. Hein. Ouais, je peux pas faire de kiddie. Peut-être un mine. Bah non, j'ai déjà un mine train, donc c'est pas possible. Oui, c'est compliqué les kiddies. Ils veulent rajouter des kiddies, genre des petits bullet zero ou des. Ou des. Ah, quoi que non, ils ont mis les Force One de chez Zira. Pourquoi pas les modèles de V de Coma ou de Gerschlauer. Ça rajoute. Tout du moins les V Coma normal. Voilà. Enfin, les V-Coma style roller skate ou Tamitami. Tami. Hop, ouais. Après, ce sera que de la téma. Ouais, mais faut que j'essaie quand même de. De toute façon. Je sais pas du tout combien j'ai descendu. Nickel. Ah bon, tant pis, on continue la file d'attente finalement ensemble. Tac, voilà. On s'est censé être du bois ici. On va modifier ça. Parce qu'ici c'est censé être un pont-levis. Moi ici je thématiserai tout ça. Ouais, ici c'est pareil, c'est censé être un pont-levis. On va relier vite fait l'allée. Tac. Bim. Ah, finalement, c'est vrai que je promets à chaque fois de faire des trucs custom, mais je le fais jamais. Et j'en ai hein, en rab des petits projets custom, mais j'ai peur en fait que ça s'intègre mal dans le paysage. Et. Enfin bon. Faut vraiment que je vois ça de mon côté. Pourquoi c'est par lié? Ah oui, je suis bête. Comment on va le relier? Relier. Et comme ça, en attendant. C'est vraiment en attendant, c'est histoire de passer les express. C'est provisoire. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Hop, excusez-moi, je donnais un coup de pied dans. Un coup de pied. Un coup de main dans mon micro. Voilà, l'entrée des express. Pour la sortie.
Voilà, donc comme ça vous visualisez mieux ce que je veux faire. En espérant que ça passe. Oui, ça passe, nickel. J'ai prévu juste ce qu'il faut en fait. Nickel. Ah, pourquoi il... Là par contre, il y avait un truc qui clochait. Hop là. Voilà, comme ça c'est tout beau, tout propre. Alors là, bon, c'est un peu, ça peut paraître fouille-fouille vu de là. Dans le sens où c'est pas si c'est une file normale, si c'est une sortie. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais au final, on s'en sort et ça. Et là, je suis en train de voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Je pense que ça va vraiment rendre très sympathique. Bref, alors voilà, donc toutes ces modifications. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je ferai un bâtiment assez similaire à celui de Mystery Castle, donc pas de surprise là-dessus. Je ferai aussi une suite d'attente, bien évidemment, thématisée, sur-thématisée même. Je... Voilà, donc vraiment bien intégré à Clukheim. Au niveau des prochains projets, je pense faire un Kiddy pour Clukheim. Un Kiddy ou un Wutenbach, on verra. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on renforce, enfin, on découvre ensemble les nouveautés pour. Donc les nouveautés de Planet Coaster et donc très bientôt on fera sans doute un Kiddy pour Clukheim et j'espère mon petit projet que j'ai en rab. Je pense que ce sera sans doute pour la zone chinoise. Je ne vous en dis pas plus, c'est un projet 100% personnel donc vraiment zéro production, enfin zéro reproduction excusez-moi. Dites-moi si ça vous gêne, enfin si ça vous gêne vraiment... qu'est-ce que vous aimeriez avoir en fait au niveau des rides custom? Comme ça permet d'avoir des petites pistes pour plus tard. On ne sait jamais. Bref, donc c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.